Comment on dit? Je n'ai pas pu le faire. Oui, je chat ton message au fond. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Que faut faire te tourne en rire. Comment jouer? Que faut faire 19h. Ça veut dire et toi? Oui, woyolo, ça veut dire et toi, and you? Woyolo. Je vais écrire ça maintenant pour ne pas oublier. Gunte. Gunther, ça veut dire je suis en santé. Oh, ok. Mboutime, 5 minutes. Pardon. C'est ça. D'accord. Okay. Pardon. Il y a un écho. Il y a toujours l'écho est toujours là.
que je coupe le son du clavier ici. Hein. Gachasso le mauvais nono. Gachasso. Washoyase. Mauvais nana. Gachasso. Mauvais nono, mon Dieu. Ah, oh, il y a un gueule là, t'es à l'imbe. Tu as compris ce que j'ai dit? Ojina ngere la. Ngere la. Ça veut dire quoi? C'est pas aussi là. Que tu sais bien parler patois. Tu parles le patois, c'est clair. Non, pas patois. Ah, la langue. La langue. La langue. Et c'est clair. Yandé, c'est ça. On essaye, on essaye. Gacha se meuve. Tchente. Voilà. Yawe. Bofa. Tu as sur le mauvais trente. Mauvais trente, il y a un lien de tombe là. Oh, il faut ça. De l'Olympi, pas mon gopaninges, gopaninges au cou. Ah, si, c'est bon. Wani. Wani. Ah, c'est vrai en plus, il faut qu'on parle en bateau. Il faut oublier le pidin. Donc, je suis un peu. Donc, il y a un wa. Puis. Il y a un wa. Il y a un wa. Bise. Ah, moi, je suis un peu. Comment c'est ça? Auditeur interne. Donc, je suis un peu. Auditeur, un peu. Voilà. Donc il y a l'homme wabi comment dire mungo wani de fonze pour le tonne non nam refonze ça 8 heures nam refonze 8 heures c'est ça y a quoi ça voilà ah. Donc, la journée a été un peu longue et difficile. Non, tu as la petite chose. Me vont gagner, tu as une image là. Désolée, je sais que tu es en cours là. Je voulais savoir, ça c'est bien ça ou c'est un autre? Parce que là, je n'arrive pas à me connecter avec ce mot. Non, tu es avec nous. Tu es au bon endroit. Elle dit qu'elle n'arrive pas à se connecter. Tu as reçu le lien que je venais d'envoyer aujourd'hui. Oui, j'ai reçu. Oui, il y a un mot de passe, non, 612, 71, c'est pas vrai. Oui, attends, je regarde. Ah, tu es dans... Non, tu n'es pas dans la salle d'attente. Je vois Nana ici dans la salle d'attente. Non. Je n'avais pas. Clique sur le lien qui est... Refais sa voix, s'il te plaît. Tout le monde est arrivé ici, comment? Moi, j'ai cliqué sur le lien. Le lien aussi. Ok, je vais réessayer. Okay. Oui, clique sur le lien, s'il te plaît. Okay. Et il y a un mot de passe là. Oui, mais c'est le mot. Moi, je ne renseigne pas le mot de passe. Oui, moi aussi, ça ne me demande pas. Justement, ça s'est seulement connecté. Ah, ça vous connaît déjà alors. Mbanana Yamla. Yamanok. Uyo. On dit woyolo le ton. Woyo. Woyolo. 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 Gunte. Gopeno. Tu veux dire quoi? Je sens que tu veux parler, mais tu es. Oui, je veux rien. Tu dis une chassi oub. Ntcha, c'est un problème. Si oub, ça veut dire il n'y a pas de problème. Ntcha, si oub.
Nanda, sinon, le Chicho, présente-toi, s'il te plaît, avant qu'on ne commence le cours. Je Nelson. C'est mieux de saluer toujours. On aime le poum. Je vous avais demandé d'écrire, de réécrire ça. Est-ce que vous avez vu ce que j'avais demandé de faire? Oh, il y a tellement de choses à faire. Ouais, je suis perdue. En plus, je n'ai pas suivi. Comme je n'ai pas suivi toute la semaine, je suis perdue là. Oui. Je ne sais plus ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je vous avais donné une liste, un fichier sur comment se présenter. Vous n'avez pas vu ça? Voilà, c'est avec ça que je suis en train de refaire. Un fichier Word où c'est vraiment tout est bien détaillé. Voilà, je suis en train de tout refaire. Ouais. Vous pouvez même faire des copier-coller avec ça. Ça, je suis vraiment en train de... Oui, c'est important. Ça permet quand même d'avoir la bonne stratégie, la bonne méthode. Voilà. J'ai pris la peine de le faire, c'est spécialement pour vous. Parce que dans le groupe passé, je ne l'avais pas fait parce qu'eux, ils étaient un peu plus avancés. Même quand ils commençaient, ils connaissaient déjà un peu la langue. Mais vous, comme vous êtes tous novices, j'ai pris la peine de structurer ça pour vous aider à faire même juste des copier-coller pour votre présentation. Oui, donc c'est à partir de vous que j'ai fait ça. Et je ne voudrais pas sentir que j'ai fait un effort en vain alors que vous n'exploitez pas ça. C'est surtout ça. Donc, ce qu'il faut faire, et comme je dis, c'est reprenez ce fichier-là. Faites des copier-coller pour vous présenter correctement dans cet ordre-là. Nelson, Nana, Rimbaud, tu as la parole. Présente-toi, s'il te plaît. Donc, tu commences par le poume ou à longue, tu as essayé le poume avant de commencer. Donc, il faut avoir l'habitude d'aller dans cette structure-là. Alors, Ngue Chasio le poume. Ah, Ngue Chasio, c'est une personne. Ngue Chasio, c'est à plusieurs personnes. Ah, ok. Ce fichier-là est bien détaillé. Ngue Chasio le poume. Ngue Chasio le poume. Au lieu de tcha, il faut dire tcha. Il y a un qui ressemble à A, mais qui n'est pas A. C'est E. Ngue Chasio le poume. Ngue Chasio le poume. Ngue Chasio le. Ngue Chasio le poume. Zenzame Nelson. Si tu montes avec ta voix, ça sera une question. Il faut dire Zenzame Nana Nelson n'est pas ton nom dans notre langue. Zenzame Nana. Zenzame Nana. Zenzame Nana. Ce n'est pas Nana. En notre langue, c'est Nana. Nana. Guru, 30 ans, comme on dit déjà. Guru, déjà. Monta. Gunza. Gunza que tu as sauté. Gunza. Ce n'est pas Nza. Nza. Guru, Gunza. Guru, Gunza. Je sais plus. Munta. Je pense que tu dois refaire ça. Une autre personne. Il faut refaire ça, il faut réécrire. Jusqu'à ce qu'on te... On est au troisième cours. Donc, vous êtes supposé pouvoir vous présenter correctement dès à présent. Ce que je vous ai demandé de faire, c'est récapituler tout ça, votre présentation doit être dans votre esprit. Chicho, Mevo Pungo, pour Mevo Trente, Rumbo. Ok. Ngue Chasio le poume. Nzenzame Trente. Ngue Ngwaku. Ndomame Ngusinga. Ngue Nguze Chokwe Mumukwe.
Mamunkwa. Chokwa mamunkwa. Ngosim Bordeaux. Ngosim. Ngosim Bordeaux. Tamla Flancy. Ngom Vouvre. Ngohu Poumamba Poua. Poua, tu veux dire? Poua. Ngohu Poumamba Poua, c'est deux. Poua, 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 c'est le sac. C'est autre chose, c'est ça? Enfin, ok. Donc, ngohu Poumamba. On ne dit pas ngohu. Ngohu. Il y a le ton. Ngohu, il y a l'accent, oui. Ngohu Poumamba Poua. Le nom de mon père. Ah, Zembo Fungwe. Zembo Non, mais je le nom de maman, c'est Dilo. Je sais pas comment c'est en Bayangam. Je sais pas. Dike. Dilo. 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 Littéralement, ça veut dire envie de pleurer. Donc, je sais pas comment on dit ça. Ah, un Dilo, un gelé. Voilà. La langue. Voilà, c'est Dilo. Voilà, envie de pleurer. Dilo. Ah, d'accord. Ça, voilà. Voilà. Ngelundia. Ngosi Pinjoa. Ngosi Pinjoa Mpumba. Ngohu Pumba. Non, Pumba Ta. Oui, c'est ça, trois garçons. Ngohu Pumba Ta. Bravo. Ensuite. C'est bon, c'est fini, non? Yamie. Yamie. Chim, chim. Yamie. Chim, 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 chim. Yep, yep, yep. Voilà. Voilà un bon exemple. Oh, est-ce que quand tu venais ici, tu savais faire ça? Voilà. Ça veut donc dire que... C'est avec le canevas là, que j'ai réussi à bien suivre, à bien faire. Très bien. Bon, avec les cours qu'on a fait, mais en suivant le canevas Word que tu avais envoyé là, j'ai bien repris, j'ai tout écrit. Et là, maintenant, à relire, j'arrive à retenir un peu comment il faut dire. Gepeno. Pemunju, le reste des gens, vous comprenez? Me vaut non, non, là, sinon le ticho. Gecha, si, yele, kuma. Zenzame non non. Beum mia. Ah, gomme. Non. C'est pour dire mon père est de. Ah, beum mia. Beum mia. Mbo. Mavo me me de maman Gouche. Gossi me Flancy. Ah, Flancy. 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 Gossi me Flancy. Gohum Gunza. C'est pas le A, c'est E. Gunze. Gunze. Gohum Gunze. Munta. 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 Gohum Gunze Munta. Très bien. Mais ce n'est pas Ngohu. Il faut cimenter même Ngohu. 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 Ngohu.
C'est pour dire agent bancaire. Ah, Ngamfa, un dieu encore. Ngamfa. Ngamfa, un dieu encore. Oui, c'est pas Alpha, c'est Fa. Le A là, il y a un A qui ressemble à Alpha. Ngamfa. Ngamfa. Un dieu encore. Un dieu encore. Gomme Ngamfa, un dieu encore. Gomme Ngamfa, un dieu encore. C'est pas un doigt, c'est un dieu. Dieu encore. Ah, pardon, gomme Ngamfa, un dieu encore. Gomme Ngamfa, un dieu encore. Gomme Chouet, Munjue. Munjue, Munjue. Gomme Chouet, Munjue. Gomme Chouet, Munjue. Gehunta, Munjue. Ah, tu veux dire quoi, trois filles? Non, toi, un seul. Une fille. Goguta, pata. Tu vois comment le. Ok, le A et le E. Voilà. Goguta, moumujue. Goguta, moumujue. Bravo. Bravo. Gogu, poma. Poma. Sambue. 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 Gossi pimen. Gossi pimen. Munjue. Chim, wow, belle phrase. Il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Ime, non. Gemme. Gemme. Chim, ben, merci mon bilan. Yep. Wow. Mais bravo. Gepeno. Benfa. Là, Benfa, Gembi. Il y a Ingrid dans la salle d'attente. Oui, je suis là. Ah, c'est bon, tu es là. Ok, très bien. Ah, Gopeno. Mouvongancha Nimala. Ah, Amenak. Yamenak. Yamenak. Ah, il faut bien articuler maintenant. On ne veut plus d'approximatif. Yamenak. Ah, là, sinon, le chicho. Là, sinon, on veut dire quoi? Est-ce que je me présente? Yafa, tu te la sinon là. Ah, ok. Ok. Zolé, si c'est Chamnapi, Pouma, Melanze. Melanze. Zé, pour dire aujourd'hui, non, c'est ça? Melambi pèse. Melapim pèse. Yamonorzi. Yamonorzi. Ok, ok. Zézame, Getchani. Gossim. Gossit me paraissait Tam Franci. Movo Pimba. Movo Pimbo. Pimbo. Movo Pimbo. Forme Bafan. Fa. Bafan, c'est Fa. Movo Pimbo, fume Fa. Ah, fume Fa. Tam Cameroun. Gonfo me so. Tam paraissait. On forme que les. Je ne sais plus comment on avait dit. Chef de projet, c'était comment? Sans fa. Gou. Fouma. Pua. Gou. Fouma. Pua. Gou. Fouma. Pua. Zéza. Comment? Pondema, il s'appelle au pluriel. Zéyo. Zéyo. Ok. Zéyome, Fabrice, Pi, Gladys. Ah, on n'aime pas ce genre de nom ici. Ah oh, ouais, Chicho. Pardon, ce soir-là, je... Zéyome, donne le la nom. La prochaine fois. Rien de chôme pour Tcha, Zembou, comme ça, au lait, comment on dit? Tu nous dis comment on le dit en patois. En Fab. En Pouchel. Ok. Zem go pou chou pumba go ta mumba mumba zezime Johan go sipie quoi d'autre go quoi ka manji te kambo go quoi ka manji go quoi ka manji te kambo te kambo Gomme Dani, Fefe, Pi, Chama. Gomme Jissi,
Non, mais il dit, tu fais pi chantra chamna. Ah, répète, ne dis pas seulement un gomanji ici. Ah, gomanji ici. Quelle est la différence? Gomandani, on ne peut pas dire ça? C'est le pidgin. Ah. C'est vrai, ouais. Quand tu dis ondani ou c'est le pidgin. Ah, oui, oui. Ouais, mais tout le monde dit ça. On va tout déconstruire dans la tête. Franchement, Chamna. Ne dis pas que tout le monde dit ça, ne cherche même pas à débattre. Non, je dis qu'on va seulement nous être obligés de se déconstruire tout ce qu'on avait enregistré. Je dis à Mavonga. Donc, ça veut dire tout ce que je connais, en fait, c'est plutôt le pidgin, quoi. Et ça veut dire quand je parlais, personne ne va me comprendre, en fait. Les gens qui sont en train maintenant d'apprendre le pu sont en train d'aller dans le bois. Si bien que quand tu es un gars, mais ne t'inquiète pas, les mamans connaissent. Elles connaissent. Quand tu parles, moi, là, j'ai dit à maman que je faisais et je lui dis, elle me dit, oui, c'est exactement comme ça qu'on dit. Mais on a pris l'habitude de parler en pidgin. Moi, j'ai pris l'habitude de parler en pidgin, donc ça, c'est la plupart des mamans connaissent. Donc, désormais, ne dis pas « gomme dani », mais « gomme j » ici. Vas-y, tout le monde. « Gomme j » ici. « Gomme j » ici. « Gomme j » ici. « Pi » ici. « Gomme j » ici. « Fé, fé. » « Pi ». « Gomme j » ici. « Gomme j » ici. « Fé, fé. » « Pi » « Chamna ».« Pi » « Chancho ».« Chamna ».« Chancho ».« Chamna ».« Chamna ». Bravo. Chim, chim, chim. Chim. Quelle bonne présentation. Gepeno me feu. Gepeno. Quelle est la différence pour les Noufi? Baninde Fefe. Quelle est la différence entre les deux? Gepeno. Fefe, c'est le nom de la langue. Mm-hmm. De manière parlée. Et quand on écrit et étudie, on l'appelle Noufi. OK. Voilà la seule différence. Mais c'est, les deux s'utilisent de manière interchangée, il n'y a pas de problème. D'accord. Voir, ça se dit comment? Parce que c'est comme étudier ou c'est différent? Ah, voir, c'est Nji. Nji et l'autre, Nji. C'est Nji ici. Nji. L'autre, c'est Nji. L'autre, c'est Nji. Nji. Donc, Nji ici, avec le ZH qui se fait je là. C'est comme ça qu'on écrit Nji ici, apprendre. Nji. Et voir, c'est. Nji, N, Nji. Avec J. Le J se lit Dieu, en fait, fait. Ah, ok. Donc, apprendre chi, si. Gomme J, si, fait, fait. Gomme J, si. Gomme J, si. En bas, Changala, sinon le chicho. Ok. Nga chao siela. Zezame, Ndoko Changa. Gomme à quelqu'un. De maman, pas de nda maman. De maman, ginger. Gossin. 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 Mamumba. Gum ta ongana jinosando. Après ça c'est O. Gepeno. Yep. Tu as vite abrégé parce que tu as oublié d'autres choses, n'est-ce pas? Ce n'est pas mal. Mais la prochaine fois, ce que j'attends de vous, faites un peu comme vos. Trent a fait là. Il a dit, prenez le fichier là. Prenez ça et construisez vos propres phrases avec ça. La présentation doit être l'élément clé de ce cours. Si vous sortez de ce cours sans pouvoir vous présenter, j'aurais échoué. Et je ne veux pas échouer. Moi, je réussis toujours dans la vie. Même un jour. C'est vous ma force. Si vous me faites échouer, ce serait la première fois. Pression. Donc, la pression, oh. prenez le fichier Word là de présentation. Mais c'est sérieux. C'est très facile avec ça. Vous faites des copier-coller.
Et maintenant, peut-être pour la prononciation, vous pouvez avoir des problèmes. Oui, on va corriger au fur et à mesure comment on le fait là. Mais au moins que la structure soit là. Bemanjou. 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 C'est pas Bemanjou. 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 On dit Ngeyou. Goyou, ok. Goyou, j'ai compris. J'ai compris. Mais je suis en train de comprendre maintenant, c'est Ngemanjou. Ah, ok. Ça veut dire quoi? Comprendre. Je suis en train de... Goyou, c'est quand tu as compris, l'action est terminée. J'ai compris, en fait. J'ai compris. Et Ngemanjou, c'est ça? Non, Ngemanjou. Ngemanjou. Donc, je comprends. Je comprends, je t'écoute, je t'entends. Je crois que c'est. Et il en est de même pour tous les verbes, c'est un peu un cas isolé. Tous les verbes dont l'infinitif commence par Nj. Au comme voir, composé, c'est Y. Comme voir, comme elle dit là. Nj, c'est le verbe Nj. Mais on dit Ngemanjou, mais Ngeyi. Ngeyi, j'ai vu. Voilà. Ah, ok. Tous les verbes en Dieu. Ngemanjou, ça veut dire quoi? Non, Dieu, c'est acheter. Ah, oui. Il y a un Dieu et un Dieu. Ah, ouais. Dieu, ouais. C'est acheter. Oui, Ngemanjou. Je suis en train d'acheter. Ngemanjou. Dites un peu, j'ai acheté. Ngeyou. L'Ngeyou. L'Ngeyou se transforme en Yeu quand c'est le passé composé. Ngeyou. Yamanja, c'est quoi? Ça fait mal. Dites un peu, ça fait mal. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Très bien. Ya, ya. Tous les nje se transforment en ye. Voilà. Donc, maintenant, commençons notre cours d'aujourd'hui. Votre présentation était bien. Il n'y a que Mbanana là que j'attends de toi la prochaine fois. Omanjou. Ngeyou. Ngeyou. Ça monte. Ngeyou. Très bien. Ou alors Ngemanjou. Ngemanjou. Fab. Il était question de traduire les phrases la dernière fois, n'est-ce pas? Oui. C'est mon refaire. Lisez un peu quoi. Me vont gâcher un itchil. Est-ce que vous vous rappelez de l'orthographe? Et c'est ça qui était le premier coup. Ouais, là, c'est dur. Toujours... C'est franchement dur. Le C se lit toujours tch. Tch. Ce n'est même pas là où il y a problème avec moi. Elle dit ka, si. Le C n'est jamais un que. Mm-hmm. Le C se lit toujours tch. Allez, dit tout le monde tch. Tch. Nuka. Nuka, me chansi. Ça, c'est moi. Dis-moi. Tcha. Tcha. Il faut traduire ça en disant le dictionnaire. Quel est le mot-clé ici? C'est un chassis, n'est-ce pas? Chassis. Chassis, c'est quoi? Être heureux. Être heureux, être content. Content. D'accord. Nuka, c'est pourquoi? Nuka, pourquoi? Non, c'est pas pourquoi? Et le A, c'est il. On a vu les pronoms. Il. Ouais, pourquoi est-il pourquoi content? Pourquoi il en train content? Ouais, ça, c'est en train, le me si. Ah, le me. Le me si veut dire en train, maintenant même. On a vu les verbes ici. Ge, me, ça, me. Ça veut dire maintenant même. D'accord? La forme progressive. C'est la forme progressive. Donc, chaque fois que vous voyez me coller à un verbe, sachez juste que c'est la forme progressive. Donc, ici, là, quand je vois me chassi dans le dictionnaire, je ne vais pas aller chercher me chassi. Je vais chercher seulement chassi. Chassi. Ok. Et chassi dans le dictionnaire vous a donné quoi?
Content. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Heureux. Content. Accueilli. Il y a beaucoup de choses dans Chassou. Donc, si on met dans le dictionnaire, ça ne va pas nous donner la traduction. Non, il n'y a pas justement. D'accord. Tu cherches une chassi. C'est à toi de savoir que chaque fois qu'on met à un verbe, c'est grammatical. C'est un peu comme le ing de l'anglais. Mm-hmm. Hein? I'm doing. D'accord. Doing. Yes. Okay. Je suis en train de faire quelque chose. Voilà. Et donc, si tu cherches le I'm learning. I'm okay. Learning. Donc, le ing là qui est le m chez nous. Okay. Donc, ok. Mm-hmm. Donc, ici, c'est le verbe content. Donc, être content. Être content. Donc, nous, comme chassi, ça veut dire quoi? Pourquoi est-il content? Pourquoi quoi? Pourquoi est-il heureux? Oui, c'est ça. Le il, parce que A, c'est il. Mm. Ça peut être il, ça peut être elle aussi. Ou elle, c'est... merci. Ok. Maintenant, dites un peu, pourquoi es-tu content? Nous, justement, Chassi, c'est salué. Non, c'est pas ça, Chassi. Très bien. J'attire aussi l'attention de ceux qui mélangent A et E. Ah, moi, je suis championne pour ça. Champion numéro 2, c'est moi. Si ici, là, au lieu de A, on met plutôt E. Mm-hmm. On va lire Chassi. Chassi. Mais là, on dit Pendemain, Cha, ici. On dit comment? Chassi. Et toi, c'est Chassi. Ah, Chassi. 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 Nous, comme Chassi, ça veut dire pourquoi es-tu content. Alors que nous, comme Chassi, c'est pourquoi il salue. Pourquoi est-ce qu'il salue? Donc, ne confondez pas A et E. Chassi. La deuxième phrase. Ne lisez pas en imaginant, lisez chaque mot avec les tons. Ça, ça c'est quoi? Ouais. Ah. Non, ça c'est E. C'est pas E. Lisez seulement les voyelles. Lisez seulement les voyelles, d'accord. Ce n'est pas E, c'est E. Non, je veux seulement les voyelles. Les voyelles seulement. Non, ce n'est pas E, c'est E. Allez-y. Non, ça c'est pas O. C'est O. 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 Bravo. Je veux d'abord que vous décomposez. N'essayez pas d'aller vite. Ouais. N'allez pas vite. Vous sortez les tons. Voilà. Maintenant, on peut faire les liaisons. Que tôt, quand vous voyez le deux voyelles, vous faites la liaison comme si le E n'existait plus. Ça fait que tôt. Que tôt. Que tôt. Mangu. Mangu. Qu'est-ce que ça veut dire que tôt, mangu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, waouh. Et là, maintenant, Pendema, nous apprenons. On dit. Pomme. Pomme J. C'est où? Allez-y, pomme J. Pomme J. Pomme J. La troisième phrase. Lisez seulement mot à mot. N'essayez même pas de courir. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est quelle voile, ça? C'est pas E. Et quoi c'est E, c'est l'autre là. Et oui. Si tu dis E, c'est le E renversé.
C'est le E renversé, non, ça c'est E. Mais le E avec N. En fait, fait celui comme N. Pelem, pain. Pain. C'est surtout le ton qui est important. Banana, tu as d'abord dit pain. Ça, c'est pas E. Ça, c'est E. Il y a la modulation là. Et ça, c'est quelle voyelle? I. 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 Bravo. I. Donc, ça fait quoi ici? Possible. Non, je ne veux pas lire comme ça, s'il te plaît. Si. Ouais, possible. Ok, ok. Je suis en train de vouloir décomposer. Si tu fais comme ça, okay. Tu vas être en train d'imaginer parfois des choses qui ne sont pas. Ok. Donc, il y a d'abord I. Allez-y, I. 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 Nsi. Nsi. Ça, c'est quelle voyelle? A. A. Est-ce que c'est A ou bien c'est A? A. Non. Bravo, parce que ça descend. Ça descend, c'est E. Donc, ça fait quoi ici? Ma. Ma. Bravo. Ma. Ma. C'est quel voyelle, ça? A. 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 C'est compliqué. Donc, le piège. Et donc, ça, c'est quoi? Ha. 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 Pensima. Pensima. Ha. Pensima. Bravo, ça veut dire quoi, pensima? Où habitez-vous? Où habitez-vous? Vous habitez où? Ça veut dire quoi? Si, c'est à résider. Habiter, non, résider. Vivre. Habiter, résider. Pelema pensima. Pensima. Ça veut dire? Où habitez-vous? Où habitez-vous? Et on va répondre quoi? Pensim. Yofi. Pensim, Francis. Pensim, Canada. Donc. Mba, Nana. Essaie de lire ça seul, s'il te plaît. Oh. De. Non, lis d'abord la voile, si ça te dépasse. Ah. C'est E. Hein? Ah. Ah. C'est Mba. E. Yeah. C'est A. Tu aussi, tu te mélanges comme nous aussi. Mba Changa. Avec le son. Ah. Bravo, imitez-le. Ah. Ah. Mais pourquoi c'est A et au-dessus c'est E? C'est regarde toi-même la forme, mon chéri. Moi, nous-mêmes, je me trompe tout le temps. La forme n'est pas la même. Et à l'autre, quand c'est sur le clavier, c'est A. L'autre, c'est AF. C'est pas pareil. C'est le piège. Et non, seulement ça, le ton n'était pas bon. Et après, il y a le ton aussi. Le ton, c'est quoi? On a dit quoi? C'est A. A. Tout le monde, A. A. Le mot, c'est quoi? Zap. 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 Si tu dis zap, zap. C'est comme si tu avais dit A. Ce n'est pas A, c'est zap. A. Donc c'est zap. Tout le monde dit zap. 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 I. 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 Banana, tu as dit quoi? I. Ah oui, c'est ça. I. 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 Et quelle voile ça? U. Non, c'est pas U. Eh, banana. Il faut revoir la. Banana. Il faut. Ici, là, c'est quoi? Aidez-le. U. Allez-y. Ah, si. U. Je ne veux pas que tu lises comme ça, Mvongan Chani. Je veux pas que tu lises. Ok, ok. Dites U. U. Dites ou a ou a nuka 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 o za i nuka o za i nuka. Bravo, on fait la liaison ici, ça fait zabi zabi o zabi nuka. Ozabinouk, allez-y. Ozabinouk. Ça veut dire quoi? Quoi tu l'as tapé? Le verbe taper, c'est quoi? Zab. Zab. L'infinitif, c'est quoi? Mm. Zab. Ah, ok.
Allez-y, dites nzap. 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 Avec le temps haut, l'infinitif. Le temps haut, avec le 2, en fait. Voilà. Maintenant. Paulin Gambi. Paulin Gambi, ça veut dire quoi? Avance. On avance. Avançons. Ngo. Non, la voyelle. La voyelle seulement. C'est pas E, c'est A. Je m'en refais le film. Oui, mais en fait, quand on voit E, on avec... Avec le. Okay, ça fait Et quand c'est deux entiers, ça fait A. Ça ne monte pas, je dis ça. Non, c'est Donc ça fait Ok. Voilà comment on lit. Parce que si vous vous dites que c'est mal à lire encore. On peut refaire. Oui, allons-y. Évoluer. C'est ce qui t'est écrit. Ah, Chum. On ne savait pas nous ce qui était écrit, non. Quand on lit, on comprend. C'est parce que vous n'essayez pas de lire les voyelles. Oui, c'est parce qu'on essaie de lire en entier. En entier. Vous voulez seulement imaginer ce que ça veut dire. Ce n'est pas comme ça. Donc, Ngumquembot. Allez-y. Ngumquembot. Ça veut dire quoi? Je vais nous trouver la liane. Voilà. Non. On quoi un bot? Un quoi un bot? Un quoi un bot? Vas-y. Un quoi un bot? Tu dis d'abord un quoi un bot? C'est bon, donc, c'est très bien. Mais toujours les voyelles. Bravo. Donc, lisons un peu vite. Toujours les voyelles. Et le T avec le N, on ouvre. Oui. Ça fait N. Oui. Ça fait N. Donc, si vous voyez le E avec N, lisez ça comme E. Oui, et le N ne se prononce pas en ce moment. Donc, ça sera L. OK. I. Et avec le M, ça fait M-B. On continue quand même avec le oui, c'est vrai. Allez, bipo. Ça veut dire quoi? Il nous a dit. Non. Il y a quoi qui te dépasse dans la phrase? Tu connais A? Oui, ça va, c'est il. Oui. Et le singulier. C'est le verbe. C'est le lait là, moi, qui me dépasse. Lait, tu as dit tout à l'heure que c'est le verbe. Nde. Voilà. Moi, c'est ça que. Oui.
Ah, aider, c'est dire, parler. Alembipo, quel est le? Alembipo. Ça veut dire, il nous a dit. C'est et la septième phrase? Vous voyez le O et puis A. O, A. Posso. On avait dit que le patois pouvait être du jeu comme ça, franchement. Ah ouais, c'est chaud quand même. Mais on va tous s'accrocher, ça va aller. Ah ouais, ouais, ouais. Et moi, en fait, il y a plein de choses que on a en mémoire et puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas comme ça qu'on le disait. C'est ça. Ça c'est moi, il y a beaucoup de mots que je connais en fait. En c'est difficile à déconstruire, c'est ça le plus compliqué. Ah, ah je suis là pour déconstruire justement. Ah, ah mais... Donc, tu as entendu quand je parlais de toi Fais le Congo ça. On disait que tu étais un très bon professeur. C'était le 2. Si c'était le 2, on n'avait pas dit devant toi. Ah, il faut juste que vous reteniez le mot. Il faut dire Ndande. Ndande. Ndande, ça veut dire faire le Congo, ça, le commérage. Le commérage. Dande. Dande, na. Vous faites le Congo, ah, tu moi. Même Dande, na. Vous répondez, nga. Passe-moi Dande, non. Je veux que vous parliez, ne restez pas comme ça. Ah, oh, tu peux écrire. Dande, là, c'est comment? Oui, tu peux écrire, Chicho. Ah, pour demain, Chicho, c'est si. Bon, moi, hein. Chicho, c'est si. Bon, moi. Bon, moi. Ndande. Vous voyez que le AF vient déjà. Mm-hmm. Voilà, Nda. Okay. Ah, c'est là que je. Ok, Nda. Ndande. Et ici. Mon truc. Ah, mince. Vous voyez Ndande. 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 Et puis, vous avez le dictionnaire toujours ouvert chaque fois, j'espère. Même quand oui, oui, mais bien sûr, bien sûr. On peut mettre commérage dans le dictionnaire, ça nous dit. Oui, généralement, quand vous avez un mot, essayez. Et si vous ne voyez pas, vous me faites signe. Je vais ajouter. Vous comprenez? OK. On va enrichir le dictionnaire. Oui, c'est ça. Il faut chercher. Si vous vous voyez, vous, okay. Pas, vous me dites. Et puis, j'ajoute immédiatement. C'est comme ça que je fais avec les autres. Voilà. Dans Congo, ça, alors, c'est ça? On évolue. Dande. Donc, me vaut. Non, non. Dis un peu pourquoi sommes-nous contents? Nous, c'est pas. Pas. Et quand vous continuez, ça fait pas. Pas, ok. Nous que pas. Mais tchassi. Ah, mais tchassi, tu fais comme tu veux. Et pourtant, c'est juste. Nous que pas, mais tchassi, tout le monde. Nous que pas, mais tchassi. Banane, dis un peu, qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Que te o me gu. C'est juste? Non, tu as dit o. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu as dit qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est A. Que ta mungu fa. Que ta mungu, bravo. Que ta mungu. Que ta mungu. Mba Nelson, toujours toi. Mba Zezum Bama Nelson Wali. Nenel. Mba Nene, rachète-toi avec le 3. Dis un peu.
Elles sont con... elles, elles habitent à... en France. Elles habitent en France. Père Sim Franci. Si tu dis père, est-ce que c'est bon? C'est vous. Ah oui. Je veux que tu te rachètes. Tu continues à te noyer. Ah. Donc tu... répète alors. Elles habitent en France. Père Sim Franci. Fab, maintenant, toujours toi. Dis, il aime tellement la viande. Un quoi, buta. Bravo, c'est vrai que les tons, on peut faire défaut, mais c'est bon. Un quoi, dis un quoi, buta. En quoi, Mbata? Bravo. Mbongantiani, dis un peu que j'ai, je leur ai dit. Elle, non, je leur ai dit. Leur, c'est comment? Simbi, c'est ça? Oui. Ngulembi, pas. C'est ça, oui. Ngulembi. Ngule. Ngule. Ah, c'est pas Ngule. Ngule. Ngele bipo. Bipo, bipo. Bipo, bipo. Non, c'est pas po, c'est po. Je leur ai dit. Bipo. Oui. Belleman, ngele bipo. Ngele bipo. Ngele bipo. Ngele bipo. Il n'y a pas le po, c'est pas po. C'est po. Ngele bipo. Dites un peu, nous sommes venus. Passe. Bravo, passe. Voilà comment vous êtes en train de parler la langue. Il faut, à chaque exercice qu'on vous donne, ne restez pas seulement figé à ça. Construisez vos propres phrases. Sinon, vous allez vous limiter à ça et vous n'allez pas étendre votre esprit. Pemunjou. À partir d'une seule phrase, vous pouvez en construire des dizaines. C'est ça l'avantage. Maintenant, j'ai vu dans ton devoir, tu avais dit « pour ça ». Et tu as dit, je crois qu'ils sont en train de venir. J'ai dit, non, je crois que j'ai dit. Ils sont venus. Ah, ils sont venus. Attends, je vais regarder. Bon. Ils arrivent, Jamie, ils arrivent. Ah, ils arrivent, c'est pas bon. C'est bon. Ils arrivent, c'est quoi? Ça suppose qu'ils sont en train d'arriver, non? Ok, oui. C'est ça qu'on va mettre pommes. Bravo. Là, on devait dire pommes, ça. Pommes, ça. Ça. Alors que pour ça, c'est une action qui s'est déjà passée. Ils sont arrivés. D'accord. Voilà la nuance. Je crois que vous avez bien... Ah oui, donc ça... Mais alors, il y a un deux sens parce que, par exemple, quand quelqu'un part et qu'on veut lui demander s'il est bien arrivé, c'est pas au quoi ou je ne sais pas comment on dit ça. Au quoi, oui. Là, c'est arrivé. Oui. Le arrivé. Là, c'est arrivé dans le sens du départ. C'est ça. D'accord. Fabo. Si Chimbi Tabe, voici la troisième leçon. Pelemon Zono Chimbita Zono Chimbita Zono, c'est leçon, hein? Non, chapitre. Chapitre. Ok. Zono Chimbita. Hop, Chimbi. Les voyelles seulement. Oui. Mbo. Ensemble, ça fait quoi? Voilà. Donc, ça fait mbua. Mbua. Quelqu'un met le coup de gueule, c'est pas mbua. C'est mbua. 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 Ah. Ah. La. La. Avec le coup de gloss, ça fait I. Donc ça fait I. Ndasi. Bravo, Ndasi. Ndasi. Tange. Ah, ça c'est regarde bien. Ouais.
Il y a deux. Vous voyez que si vous n'isolez pas déjà les voyelles là, vous ne pouvez rien. Vous allez mal lire. Donc ça fait tendio. Tendio, c'est quoi? La maison. Ah, la maison, tendio. L'intérieur. Ah non, tendio, c'est la famille. Le socle. La famille. Ah, d'accord, la famille. Ah. Est-ce qu'on peut reprendre les premières voyelles là? U-E. Ça fait E. U-E. Dis E. Ouais. Si on met P devant, ça fait P2. D'accord, ok, c'est la même chose que 2. Oui. Là. Là. Bien. Assis, Dendio, allez-y. Bien là, Dendio. Bien là. Assis, Dendio. Dendio, ah oui, c'est. Ah oui, Dendio, les... oui, ok, je comprends, oui, la famille, très bien. Donc, c'est Dendio. Quoi le, la famille. Comment présenter notre famille? Bravo. Ndassi avait dit montrer et donc présenter. Donc c'est le chapitre d'aujourd'hui. Mais avant ça, on va d'abord rapidement voir les démonstratifs. Ici, quand quelque chose est à côté de vous, vous dites B. Pelleme B. 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 Yibé. 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 Yibéle. Yibéle. Il n'y a que deux personnes. Si. Quand on a deux voyelles comme ça, là, avec des accents opposés, finalement, c'est la deuxième voyelle qui prend. Ah, ah, ça fait E. Dis d'abord E. 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 Ça fait E. E. Ah, E. Donc, on prononce les deux. Donc... Oui. Et ça fait comme si c'était un seul E avec quel ton? Le ton descendant. Mmh, c'est ça, ouais. Donc, tu peux voir ça comme ça, que c'est un seul E avec le ton qui descend. Descend. Donc, ça fait B. 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 Donc, dites Yibé. 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 Yibéle. Yibéle. Uh-huh. Maintenant, dans ce cas-ci, on dit quoi? On est en train de présenter l'arbre qui est à côté de celui à qui on parle. Yimba, c'est ça. Ah, on va. Ça, c'est quel ton? Vous lisez d'abord. Ah. 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 Voilà, ça fait ah. Ah. Donc, ah. Ça fait comme si c'était ah. 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 Ba. Ba. Il n'y a pas M devant. Ça fait le... Okay. C'est ba. Mba. Quelqu'un dit mba, c'est même pas mba, il n'y a pas m. Il n'y a pas le M devant. Mba. C'est seulement mba. Mba. Yiba. Yiba. Yibal. Yibal. Et là, on dit mba. Yibal. Bi. I. Allez-y, bi. 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 Yibi. 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 Donc, qu'est-ce qu'on retient? Le deuxième, c'était à côté. À côté de moi, c'est... À côté de la personne qui parle, c'est B. Pelleme B. 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 Bravo. B. 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 Bi. Bien retenu. Non, le deuxième, Chicho, le deuxième. Le deuxième, c'est ba. Yibala, yibal. Non, yiba, yibal. Yibala. Quand c'est à côté de moi, c'est yibele. Banindo aussi, Chicho, aussi. Non, on va évoluer, c'est la même chose avec okay, ça. Ok, d'accord. Voici sa pelle. Pelle, est-il? Ah, bon, tiens, juste les voyelles ou tout. Oui, si tu peux lire tout, c'est bon. Ya B. Bravo. Ya B. 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 Maintenant, on va dire quoi? Ya ba. Ah, c'est pas ba. Le ton chant là-bas, c'est ba.
Yaba. Yaba. Oui. Yaba. Allez-y. Yaba. Yaba. Et ici. Yabi. Yabi. Oh. Yabi. Yabi. Mbane, tu te rachètes. C'est bien. Yabi. Yabi. Les membres de la famille, allons-y rapidement. Ici, là, c'est qui? Qui connaît? Ba. 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 Bravo. Bao. Allez-y. C'est petit. Ma. Je vous ai dit que ça, c'est pas A. Ça, c'est E. C'est pas A. Ma. Mevo. Ah ah, bravo. Mevo. Mevo, c'est quoi? Maman, la reine. Ah, ma mère. Ma mère. Moi, c'est la mère, alors que mevo, il y a la possession ici dedans. D'accord. Donc, c'est pareil pour Mba, le père. Mba, oh, ici, mon père, oh, c'est la possession. Père. D'accord. Maman. Maman. Tata. Tata. Maman. 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 Ah, tata, maman. Maman. Même. Même. Ah, c'est le 3. Ok. C'est le 3. Même. 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 Là, c'est même. Ah, donc même, c'est les frères. Et même, c'est mes frères. Mon, pas mais, il n'y a pas le plus. Mon frère. Mon frère. Oui. Mon frère. Ça, c'est même. Oh, allez-y. Même. C'est la liaison qui fait le même mot. Même mot. Même mot. Très bien. Donc, même veut dire quoi? Frère. Le frère. Frère, je veux l'étymologie. Même. L'enfant de la maman. L'enfant de ma mère. Très bien. Donc, c'est même. Il y a même ici dedans qui est l'enfant. Mais. Et moi, c'est la mère. Parce que le N a rencontré un autre M qu'on a transformé en M. C'est même. Allez-y, même. Même. Oui, et si c'est l'enfant du père, on va dire quoi? Même. Même. Même, c'est le frère consanguin. Ah, oh, ok. Si c'est mon frère consanguin, tu vas dire que même. Même, d'accord. Donc, dites même. Même. Le mot, c'est la possession. Ça veut dire l'enfant de la mère de moi. Okay. Le haut, si c'est moi. Ma part, ma part. Hein. Même mot. Même mot. Même mot. Même mot. Même mot. Même mot. Et ici? Mbandamo. Bravo. Mbandamo, ça veut dire? Bon, c'est le grand-père. Ça veut dire le... Le père qui est grand. Ndamo, c'est grand. Le père qui est grand. Le père qui est grand. Qui est grand. Mbo Ndama. Mbo Ndama, mon grand-père. Mon... Je répète. Donc, ne dites plus jamais à Paza. D'accord? Plus jamais. Quoi. Plus jamais. Sinon, interdiction absolue. Ça va être pire que le COVID, sinon. Je te dis que... Quoi? Mbo. 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 Un synonyme de Mbo, c'est Tawa. Ok. Papa n'est pas le patois. Non. Hey, papa, c'est français, mon frère. Papa, on ne dit même pas le patois. On dit la langue maternelle. On dit la langue. Péjoratif. Mandame. 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 Mavondame. Mavondame. Ah, c'est plutôt Mavondame que je connaissais, moi. Mavondame. Maintenant, essayons de lire ça. Mbombe. Mbombe, ça veut dire quoi? Voici mon père. C'est voilà mon que père. Vous êtes en train de présenter les membres de la famille. C'est bien. Yep. Mbombe. Amang Anka. Aïe. Mais. Il y a les gens qui ont le level ici. Ça veut dire quoi?
Il est médecin. Pelemambobe, Amangaka, tout le monde. Mbobe, Amangaka. Donc, plus tard dans le dictionnaire, on n'a pas assez de temps, sinon j'allais vous dire de chercher maintenant. Vous allez chercher ces mots et construire ça, d'accord? Mmh. Oui. Sa couturière, c'est quoi? Vous allez voir. Tamdi, bravo. Tamdi. Si tu connais déjà, c'est oui. Bon. Tamdi. Parce que c'est ce que j'aime faire. Et comme j'avais mis, c'est mon Wupiendo. Et j'avais mis couturière au lieu, voilà. Wupiendo, au lieu de mettre coudre. J'avais mis couturière, voilà. Je crois que c'était... Donc, parlez alors. Voilà ma soeur, elle est couturière, traduisée. Voilà. Yab. Ça, c'est comment dire? Non, ma soeur. Maman. 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 Maman, c'est frère ou soeur? C'est frère ou soeur, les deux? C'est la même chose. Ah. Maman, ben. Memo, B, pas Memo, Memo. Memo, B. Continue. Am, Tamdi. Je peine au Pesap Simbouvi, le team. Pesap Simbouvi. Memo, B, Am, Tamdi, tout le monde. Memo, B. Am, Tamdi. Voici mon père, il est maçon. Bombe. Bombe. Ame. Ame. On va chercher dans le dictionnaire. Hein? Il est quoi? Il est maçon. Il ne peut pas être docteur. Je t'ai dit, docteur, on connaît déjà vraiment. Docteur. Oui, il est enseignant. Oui, ça, on s'est dit. Hein? Maçon, c'est quoi? Vous savez même le dictionnaire? Mboupé. Ame Mboupé. Bravo. Mboupé. Bravo. Le dictionnaire a aidé. Donc, allez-y. Voici mon père. Il est maçon. On va dire quoi? Mboupé. Mboupé. Ame. Ame. Pas ame. 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 Mboupé. 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 Oui, un synonyme de Mboupé, c'est Mkwapé. Ah, mais ça, un quapé, je connais. Donc, voilà mon grand-père, il est menuisier. Allez-y, traduisez. Bon, commencez, je cherche le menuisier. Donc, ici, là, tu as traduit comment? Voici mon... voilà ma soeur. Elle est couturière. Tu as dit quoi? Memba. Non, là ça ne marche pas. J'ai accepté. Memba. Memba. Ou alors... Memba. Bon, on vient de voir qu'il y a B, Babi. Oh, quand on dit voilà, elle n'est pas à côté de moi. Elle n'est pas à côté, elle est loin, elle est là-bas. Voilà. Memba. Memba. Si elle est à côté de la personne à qui tu parles, tu vas dire ba. Mais si elle est loin de vous deux, tu vas dire bi. Bi, parce qu'elle est loin. Ah, et donc voilà, c'est qu'elle est loin. Memon bi. C'est ça, non. Voilà, elle est. Si tu poses la question, tu vas dire Memobi. Memobi. Mais si elle est à côté de celui à qui tu parles, tu vas dire Memoba. Memoba. Uh-huh. Et si elle est à côté de toi, tu dis Memobi. Memobi. D'accord. C'est pour ça que j'ai commencé à vous montrer d'abord B, Babi. Donc voilà mon grand-père, il est menuisier, c'est quoi? Memoba. J'ai cru que tu avais dit Mkouchou, c'est pour ça que je disais non. Mkouchou, c'est ça, non? Oui. Parce qu'il y a Mkouchou et Mkouchou. Ah, Mkouchou, c'est par rapport aux cheveux. Oui, Mkouchou, c'est le coiffeur. Alors que Mkouchou, c'est le menuisier, celui qui rabote les arbres. Mkouchou, c'est l'arbre. Ah, ok. D'accord. Alors que Chou, c'est la tête.
J'ai vite dit non parce que dans les anciens cours, la plupart des gens disaient Kouchou. Kouchou. Pepechela. Pepele. 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 Les tons sont importants. Si tu dis ngem, ça c'est pas me. Ngem. 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 Siesi. Siesi. Quand tu es en train de te présenter, ne dis pas ngem, siesi. Ngem, siesi. Ngem, siesi. Ngem, ngaka. Pas ngem, ngaka. Ngem, ngaka. Bravo. Pelem, pepe le pouma. Ngem, siesi. Pepele Puma, Ngema Siesi. Pepele Puma, Ngema Siesi. Ça veut dire quoi, Pepele Puma, Ngema Siesi? Bonsoir, mes frères. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'il y a Bibi, soyez les bienvenus. Si Pepele, ça veut dire bonsoir. Pepele, bonsoir. Ça veut dire que Mbele, il y a une seule personne, mais Pepele a plusieurs personnes. Bonsoir mes frères, mes frères, mes frères et sœurs, oui. Je suis enseignant. Je suis enseignant. Petchela. Petchela. C'est élève, non? Donc, tu as dit le poumon, ça veut dire quoi? Je vous salue. Je vous salue, frère. Je suis élève. Élève. Voilà. Vous voyez le yé, si tu as dit yé, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Si, si, il y avait une seule personne. Si, il y avait une, c'est yé. C'est le O. Ça devait être le O. Je te salue. Je te salue. O, c'est le pronom personnel. Je salue toi. Je te salue. O. Donc fais la liaison. Go chasio. Ça devait être juste O ou c'est Y? Tout simplement O, simplement. Ah O, sans O. Il n'y a pas Y. Comme le prénom, le prénom, le pronom tu. Go chasio, comme le tu quoi. Go chasio, le même mot. Ça devait être même. Parce qu'il y a une personne. Ah oui, tu le O. Ok. Go chasio le poumon. Non, même mot. Parce qu'il y a une personne. Et le poumon. Non, elle disait, Fanny, Ingrid disait avec le avec le O, le chassio, le memo. Memo pour le... Memo, parce que c'est mon frère, un le frère. Pluriel, c'est plus... Ah oui, frère ou sœur, ok. Oui. Donc, il y a même qui est le frère ou la sœur, et il y a poum, le pluriel de ça, c'est les frères ou sœurs. Ah, ok. Parce que le pluriel de mais, c'est pou. Mais c'est l'enfant, non? Oui, oui. Mm-hmm. On peut dire mais ou bien mou. Mais mou, c'est l'enfant. Mm-hmm. Et quand on dit mena, c'est mon enfant, c'est ça? Mm-hmm. Exactement. Le pluriel, c'est Pumba. Pumba, mes enfants. Et meni, c'est? Son enfant. Son meni. Enfant. Mena, meni. Okay. Mena, meno, meni. Meno, ton enfant. Meni, son enfant. Ah ah. Ah, petit, là. Me vobi. Ça veut dire quoi? Voilà ma mère. Elle est enseignante. Uh-huh, vous connaissez au moins Siesi aujourd'hui, hein? Oui, ça. Premier mot qu'on a appris. Ça, on connaît. Indélébile. Voilà. Donc, le père, c'est Mba. Allez-y. Mba. Mba. Mon père. Mon père. Mbo. 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 Maman. Ma. Ma. Ma mère. Mbo. Mbo. Mevo. Mevo. Retenez aussi une fois pour tout le ton de ma mère là. C'est Mevo.
Mevo. Oui. Le frère, même. Même. Même, allez-y. Même. Même. Qui veut dire littéralement l'enfant de la mère. Même. Maintenant, si on veut préciser, la précision n'est pas nécessaire, mais si on veut préciser, on va dire même Yimba. Allez-y. Même Yimba. Mba veut dire un mâle. Un mâle, oui. Oui. Pelem même Yimba. Même Yimba. Et mon frère. Memo. On fait la liaison, on ne dit pas Memo. On fait seulement Memo. C'est comme si le Memo. 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 Yimba. Memo. Memo. Memo Yimba. Memo Yimba. Et la sœur, Memo Yimujé. Memo Yimujé. Ma sœur. Memo Yimujé. Grand frère. Ngambi. Le ton, Nga. Le ton. Ngambi. 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 Quelqu'un dit Mbi. Est-ce que le ton c'est moi, c'est moi. Ngambi. Ngambi. C'est moi qui disais Ngambi. Quand tu dis déjà Ngambi, c'est déjà son frère là-bas. D'accord, ok. Ah oui, voilà l'accent à côté. Oh, oh, oh. Bon, regardez bien le ton. Je ne veux pas que vous imaginez. Dites Ngambi. Ngambi. Ngambi, c'est quoi? Ngambi. Grand frère. Et pourquoi on dit grand frère? Quelle est l'étymologie? Bi. Nga, c'est quelqu'un, c'est le propriétaire. Nga. Mbi, oui, Nga, c'est devant. Mbi, c'est devant. Mbi, c'est devant. Voilà, c'est ça, c'est Mbi que je sais devant. C'est le propriétaire. Nga, c'est que ça m'appartient. C'est celui qui détient le devant. D'accord, ok. Non, dites Ngambi. Ngambi. Son signe, c'est Nchambi. 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 C'est pas choix, c'est pas A, c'est E. Nchio. Nchambi. 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 Nchio, c'est parti, non, passé. C'est celui qui passe devant Nchambi. Nchambi. Il est passé devant moi, Nchambi. Ah oui, d'accord. Donc, dites Ngambi Yimba. Ngambi Yimba. Nchambi Yimba. Shambi-imba. Alors, mon grand frère, c'est quoi? Gambia. 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 Ça fait la liaison Gambia. Gambia. Voilà. Ou alors, Shambia. Shambia. Oui. Donc, mon grand frère, c'est quoi? On peut, il y a des moments où on utilise les uns ou les autres. Où oui, c'est interchangé, c'est la même chose. D'accord. Tu utilises comme tu veux. Donc, Shambia Yimba, allez-y. Shambia Yimba. Yimba. Et grande sœur? Ngambi. Ngambi Yimujé. Yimujé. Ngambi. La grande sœur? Gambia. Gambia Mujé ou bien Gambia Yimujé. Okay. Petit frère. Ganjam. 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 Ganjam, c'est quoi? Derrière. C'est celui qui détient le derrière. Donc, il ne discute pas la place avec quelqu'un, c'est sa part. Ganjam. C'est celui qui détient le propriétaire. Il a les droits là-bas. Donc, ne passe même pas dans son territoire. Ganjam. Celui qui détient le derrière. C'est celui qui détient le milieu. Ah, vraiment. Il n'y a pas, les enfants du milieu comme nous, s'il n'y a pas. On est là seulement. C'est que tu es au moins derrière quelqu'un, c'est tout. Tu es derrière quelqu'un ou tu es devant quelqu'un. Tu es justement là. Quand tu es au milieu, tu es Nganjam et Ngambi en même temps. En même temps. Voilà. Donc, dites si injam. Si injam. Si injam. Voilà. Injam. Oui, si injam veut dire si. Celui qui reste derrière. Celui qui reste derrière. Si injam. Donc, c'est un synonyme de nganjam. Si injam. Oui. Et dans la. C'est de même, c'est le même concept pour toutes les langues bamileke. Hein. Vous allez aller vérifier. Donc, ici, on va dire quoi? Bravo. Vous voyez bien les tons. J'espère que vous, c'est pas intuitif. Hein? Vous ne, c'est pas parce que vous avez retenu ça. Hein?
où est le ton, n'est-ce pas? Nganjam, ça c'est A. Nganjam. Allez-y. Nganjam. Et ici là, si, vous voyez bien le I. Si, njama. Si, njama. Ah. Petite sœur, même chose. On m'a justement dit, Mujue. Comment on dit un enfant? Mou. Mou. Uh-huh. Et mon enfant? Mena. Uh-huh. Donc, on s'attendrait à moi. N'est-ce pas? Ah ouais. Oui, parce que mou, c'est l'enfant. Ouais. Donc, on s'attendrait à avoir moi. On s'attendrait à ça. Le roman là a conservé moi. En roman là, on dit moi. Uh-huh. Mais en fait, on dit mena. Comme en baganté, on dit aussi menam. Uh-huh. Donc, au lieu de moi, le fait ça a plutôt préféré mena. Au lieu de moi. Uh-huh. Le mari, c'est quoi? Ndou. Ndou. Allez-y, Ndou. Ndou. Mon mari. Ndoua. Ndoua. Uh-huh. Donc, désormais, ne dis plus, hein, chérie Koko, Pelem Ndoua. Hein? Pelem Ndoua. Hein? Ndoua. Ndoua. Uh-huh. Ndoua. La femme, c'est quoi? Njue. 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 Ma femme. Jua. Jua. Uh-huh. Jua. Jua. Parce que nous, nous prenons ça maintenant bien. Au début, c'était du. Elle dit un jouet. Voilà. Maintenant, elle dit bien Jua jusqu'à sa sort. Uh-huh. Voilà alors le point culturel très, très important. L'oncle, c'est quoi? Mba. Mba. La tante, c'est quoi? Mba. Très bien. Il y a un point culturel très important ici. Ah, donc, la tante, l'oncle, la maman. L'oncle, c'est le papa. La tante, c'est la mère. Mm-hmm. Et c'est comme ça dans nos langues, dans notre culture. Il n'y a pas tonton, tata. Il y a maman. Si tu veux, si tu viens dire, si tu veux préciser, tu vas dire quoi? Memamba. Memamba. Memamba, c'est quoi? Même l'enfant. L'enfant de non, mon c'est pas père. L'enfant. Non, même. Le frère de mon père. Frère de mon père. Même. Même bas. Même bas. Si vous voulez préciser encore, même qui est homme ou bien qui est femme. Hein? Même bas, yimba. Vous voyez que. Pour signe des yimjue, ou bien on peut juste mettre yimjue. On peut même mettre juste ça, ça sera la tante, non? Oui, oui, mais je demande si on a le yé facultatif. Le yé facultatif. D'accord. Mais grammaticalement, les puristes, les vrais gens qui étudient la grammaire veulent que tu mettes le yé là. D'accord. Mais dans okay. Le courant, ça peut sauter. Mm-hmm. Okay. Oui. Donc, mon oncle, c'est quoi? Mbo. 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 Ma tante. Mevo. Mevo. Si dans notre, si tu peux présenter ta tante à quelqu'un, tu dis que même Mbo Yimujebo, c'est une discrimination pas possible. Elle peut vous en vouloir toute sa vie. Donc faites attention que oui, c'est une insulte même. Donc un truc pour les Mbo. Mbo. Tout simplement. Okay. C'est ma mère. D'accord. Je connais des gens dans ma famille qui ont eu des problèmes avec ça. Parce que quelqu'un a vécu avec sa tante tellement et puis après un jour, elle n'a pas présenté à ses amis que c'est voici ma tante. Ah. Culturellement, c'est une insulte. On dit simplement me vobé. Alors que la pauvre, elle ne connaissait pas seulement la culture. C'est ça. Voilà. Et le cousin, voilà encore un autre élément très important. Le cousin, c'est quoi? Maman. Le frère, maman. Maman. Maman, c'est mon frère. Maman. Mon cousin, c'est quoi? Maman. Maman. Le neveu. C'est mon frère. Uh-huh. Oui, mon. Oui. Et dont ton neveu mène, donc pareil. C'est ton enfant. C'est mène. Et mon neveu. Mène. Mène.
dans mon fils, tout simplement. Mon enfant. Les jumeaux, c'est quoi? Pony. C'est pas pony, les tons. Pony. Deux O, c'est ou. Deux O, c'est pas pour. Pony. Et ça, c'est ni. Pony. Mes jumeaux, pony pas. Pony pas. Comment on dit mes jumeaux? Pony quoi? Pony pas. Pony pas. Oui, mais. Oui, pouni pas, pouni ma, pouni. Non, c'est pouni pas, pouni za, pouni. Non, pas être pouni mba. Il y a les gens qui utilisent d'autres adjectifs possessifs. Oui. Maintenant, dites ça là rapidement. Bobé. Ça veut dire quoi? Bobé. C'est qui? Hein? C'est qui? Wabé. Qui est, c'est ça? Senamb. Les tons, justement. Ça, c'est quoi? C'est le A, le 1, non? C'est le CH. Oui, le CH, tu lis quoi? A. Non, non. A. Non, c'est lui comment? A. Comme CH. A. C'est pour ça que je disais non depuis. Oui, A. C'est SEN A. A. Allez-y. SEN A. B. Donc, au lieu de SEN A B. SEN A B. Voilà. Et ici, on va dire quoi? Waba. 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 C'est un waba. Pourquoi ba maintenant? Parce qu'il est loin de moi. Parce qu'elle est à côté de la personne à qui tu parles. De la personne à qui on parle. Si c'était loin de moi, c'est wabi. Et il répond quoi? Mena. Menab. Menab. Et si on va dire quoi? Wabi. Ah, bi. C'est pas bi, c'est bi. Wabi. 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 Ankab. Non. Kamga. Non. Kamga. Regardez le ton. Kamgab. Kamgab. C'est tout. Kamgab. Compléter. Wabé. Non. Waba. Non. Il est à côté. Comment ça va? Il y a seulement deux personnes. B. Wabé. Ouais, pas B. 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 Oui, il y a B. Babi. Les tons de ça. B. Babi. Oui. Et il va en prendre quoi? Muba. Bravo. Muba. Voilà, c'est ça. Muba. Tout le monde dit Muba. Muba. Muba veut dire quoi? C'est moi. C'est moi. Et si c'est toi? Ah, ton nom. Non, si on veut dire c'est toi. Wuba. Wuba. C'est toi. C'est lui. Yuba. 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 Donc, voilà l'exercice que vous allez faire. Vous allez compléter le vide. Voilà l'exercice que vous allez faire. Et boum! Yam. Voilà, je suis allée voir Ngore na YouTube résulam. Je continue en français et je suis tombée sur les chansons de Muncha. Muncha. Je cherchais ça depuis. On avait chanté ça au mariage de mon petit frère en 2013.
Je connaissais les chansons sans les paroles. Maintenant, je chante en comprenant ce que je dis. Donc, je suis vraiment contente. Tim. Yep. Don't say she, bro. Don't say she. Non, j'aime ce genre de feedback parce que, comme je dis aux gens, notre communauté, nous ne savons pas apprécier. Nous ne savons pas voir et laisser même un commentaire pour dire « Oh, merci, j'utilise ça, c'est bon. » Pas vous ne faites pas ça. Likez tout, like. Vous savez ce qui se passe quand vous ne faites pas ça. Il n'y a pas la visibilité. Non, en dehors de ça, celui qui a fait, il part plutôt faire autre chose là où les gens reçoivent. Ok. Moi, par exemple, aujourd'hui, je travaille plus sur le Wolof parce que cette communauté-là, ils savent dire merci. Oh, on ne demande pas quelque chose à quelqu'un, mais le simple fait de dire « Oh, j'ai utilisé ça avec mon enfant, grâce à ça, mon enfant s'est déjà parlé. » Simple truc comme ça, là, ça fait que « Oh !» Ouais, c'est motivant, quoi. Ouais. Tu veux encore faire plus de ce côté. Non, c'est vrai. Mais de notre communauté, tu vois parfois, beaucoup de gens voient, aucune personne ne vient même dire « Oh, merci, j'ai utilisé ça pour faire pour Jindo Nande Tam Yakopel. » C'est ça que nous sommes. Non, Jindewe, non. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Qu'on aime seulement dire qu'on ne sait pas bon, quoi, c'est ça? C'est ça. C'est ça qu'on est. Que c'est quand ce n'est pas bon que tu sens que là, on te sort des gonds. La bouche se déclare. Voilà. Non, heureusement, je connais mieux la communauté, ce qui fait que je n'attends pas les likes, je n'attends pas les commentaires. Sinon, je devais arrêter ça depuis. Je fais ce que je pense que c'est bon pour moi d'abord. Donc, si c'est bon pour moi, ça va. Mais vous aussi, ouais. Elle était là. Elle a dit, elle a envoyé un message sur le groupe WhatsApp que elle va venir, mais elle se rend off. Elle n'a pas fait ses devoirs. Oui, elle n'avait pas fait ses devoirs. Donc, elle va venir écouter en off. Yeah, voilà. C'est pour ça que j'ai disparu. Oh. Tu as écouté la leçon. Tu as écouté la leçon? Oui, j'ai écouté toute la leçon. Au Chonjou, me peur. Si. Oyuma, qu'est-ce que tu as gardé de la leçon? J'ai gardé de la leçon, je dis en français, j'ai appris de la leçon comment on dit papa, maman, ma mère, papa, mon père, les pronoms personnels en fait. On n'a pas vu les pronoms aujourd'hui. Non, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, mais c'est... Tu veux dire les démonstrations. Les prononciations, en fait, papa, maman, grand-père, grand-mère, et après, quand on se les approprie, on présente, en fait, les membres de la famille. Dis un peu, voici mon petit frère. Attends, que je réfléchisse d'abord. Mon petit frère. Voici. Ganjam Abbé. Dis un peu, voilà mon oncle loin là-bas. Mon oncle, c'est le père, du coup, donc c'est Mbaba. Mbomba. Bi, on a dit loin là-bas. Attention. Mbombi. 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 Il y a un cuisse dans la leçon là que vous allez aussi faire. Dans le quiz, là, c'est sur, je crois, Google Form. Et c'est un quiz pour les présentations des membres de la famille. C'est un quiz en 5 minutes, vous pouvez faire ça. Ça va cimenter ça dans votre tête. Pay over. Parle pour moi, Tevra. Si mon corps est en chien, on doit mettre un chien. C'est si mon corps. Oh, là-bas. Oh, là-bas. Fait peu, m'bre nan son gwe punje. Ndan gwe rengouye, ten deux ou ye ben fou. Nan. Fait peu, ou fait peu, yo ne va. Fait quoi, pe sin zembe lale? Fait quoi, même, pe sin zembe lale?
Je suis fa.